Eh bien, salut tout le monde, c'est FullGameSet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre épisode 2 de Batman Arkham Knight sur PC, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va très bien. Dans l'épisode précédent, grosse introduction que nous avons eue. Et pour faire simple, nous sommes donc 2 mois après les événements de Arkham City. Et l'épouvantail refait surface, il a une bombe de toxine qui est prête à exploser. Tous les citoyens de Gotham se sont barrés, ont été évacués plutôt. Et donc, on avait arrêté Poison Ivy, donc qui est immunisé à la toxine. Et donc voilà, donc la guerre est déclarée, les criminels envahissent, ont envahi Gotham, bref, c'est le beau merdier. Alors, donc, je sais à peu près ce qu'on va faire dans cet épisode-ci, donc ça va aller plutôt vite, je pense, à mon avis. Et, bah écoutez, on est parti. Alors, je sais, il faut aller parler à Gordon. Donc, on y go. C'est encore la phase tuto, hein, je rappelle. Hein. Foutu bureaucrate, on est seul dans cette histoire. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. Bon, voyons voir. Tout d'abord, on a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leurs dernières coordonnées connues, mais ils ne tiendront pas bien longtemps livrés à eux-mêmes là-bas. Ensuite, quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Le connaissant, il doit préparer un mauvais coup. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. J'ai envoyé une petite équipe pour quadriller le sud et l'ouest de Gotham. Je vais les rejoindre dès que j'ai fini ici. On va trouver cette pourriture. Fernandez, c'est Gordon. Quelle est votre situation? Ok, bon. Donc là, sélection de mission. Ah merde, il parlait, pardon, c'est pas grave. Sélection de mission, l'écran, utilisez l'écran de sélection de mission pour choisir votre prochaine cible dans Gotham. Chaque nouveau super vilain ou nouvelle mission que vous découvrez est automatiquement ajouté à cet écran. Si vous voulez traquer l'épouvantail, sélectionnez l'icône principale en haut de l'écran. Voilà. Donc oui, alors une histoire de rang, mais je pense que c'est un truc à mon ligne. Donc ça, c'est pour la quête principale. Ça, c'est le mystère ou Enigma, si vous préférez. Bon, là, il s'appelle Enigma. Bon. Je pense qu'on a, un peu l'habitude hein, avec les énigmas. Donc ça va être, à mon avis, plusieurs trophées. On va voir ça. Donc, on a les soldats du feu. Localisé et parti secours aux pompiers, la station 17 disparue. Alors ça, je sais pas du tout si c'est un truc à faire en plusieurs fois au fur et à mesure de l'aventure. Examiner le corps utilisé, exposé, très bien. Donc on va faire Enigma parce que c'est plus proche. Je vais arrêter l'homme mystère. Bonne chance là-bas. Alors bien évidemment, l'homme mystère, hein, plusieurs défis, hein, on va pas tous les faire aujourd'hui. Hein. Mais disons que c'est comme les tutos, c'est-à-dire on obtient des points d'amélioration. Si c'est avantageux de faire les points d'amélioration. Batman, je voulais vous dire. Oui, quoi qu'il y a. Oui, bah tant mieux. S'il y a plusieurs quêtes dans le mystère qui peut donner des points d'amélioration, et bah c'est tout bénef. Alors je pense que j'en ferai un off. Je pense que je ferai en off des quêtes pour avoir des points, tout simplement. En fait, Lucius, je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de post-combustion. Merci, Lucius. C'est très noble à vous d'être resté. Vous voulez me remercier, Matthew Wayne? Essayez de ne pas faire de sortie de route. J'aurai bientôt de nouvelles améliorations. Bien. Alors, Lucius Menelan, c'est celui qui donne l'argent, je pense, pour les améliorations de gadgets. Tout simplement. Oui, c'est moi, ton épée, juré, l'homme mystère. Mes félicitations sont de mise, car tu es en avance pour l'événement. La nouvelle génération de mes énigmes. Les circonstances exactes de mon plan doivent demeurer secrètes pour le moment. J'en ai bien peur. Mais je ne vois pas d'inconvénient à récompenser cette naïve lueur d'initiative dont tu as fait preuve avec un aperçu, un avant-goût, si j'ose dire, du style de devinette que je garde en stop. Alors, je sais pas si vous le trouvez, mais je trouve qu'il ressemble énormément à Jamie de C'est pas sorcier. Il était pas comme ça la dernière fois hein, qu'on l'avait vu. Hein. Il était un peu plus... il avait plus une chemise.
ce que tu regardes, avec une incompréhension ahurie, est un mécanisme que j'ai calibré pour réagir à une impulsion radar ultra précise. Dans un instant, je te donnerai le code décrypté, chevalier noir. Mais avant tout, passons en revue les règles du jeu pour les festivités de ce jeu. Règle numéro 1. En tout temps, tu devras m'appeler Homme Mystère, l'Homme Mystère ou Monsieur Enigma et rien d'autre. Sinon, détective, je m'attends à ce silence discourtois dont tu as le secret. Règle numéro 2. Ok, bon, ça va traîner. Donc, les énigmes de Enigma, bon, il y a les habitudes, c'est-à-dire il y aura des vraies parties d'énigmes, à mon avis, je pense que comme on avait pour City. Mais on aura des phases également avec la Batmobile. Bon, là, on le fait juste pour introduire hein, tout simplement l'Enigma, tout ça. Donc... Donc on est parti. Donc bien évidemment, donc là c'est les phases de course. Donc on a un timer à suivre. Si on arrive à faire le temps, si on arrive à tout faire en même temps, c'est parfait. Alors le post-combustion, voilà, c'est tout simplement le mode pour aller dessus. C'est un turbo, hein. Pour faire simple, c'est un turbo. Hop. Alors ça c'est vraiment cool, il peut aller sur les plafonds, sur les murs plutôt. Alors on va essayer de... Ah voilà. Donc voilà, donc vous avez compris le délire, c'est du timing. Ça va être un peu chaud, je vais pas vous mentir. On va essayer de bien doser. De post-combustion. Il me faudra de la puissance. Ok, tac. T'inquiète pas. Ok, allez. Ah putain, ça a freiné. Voilà, on ouvre. Donc voilà, donc ça sera plusieurs petites énigmes de ce genre. Voilà. Ok, donc là ça va être le dernier tour. Ça va être un peu plus corsé, je trouve. Ok, on ouvre. Ah putain, je l'avais pas vu. Voilà, on peut passer sur le côté. Voilà, on ouvre. Oh merde, quel con. J'ai appuyé trop tôt. Ah putain, ça va être chaud. Allez, on y arrive, on va y arriver. Ok, on est passé. Ouhouhou. Voilà. Ok, donc c'était un aperçu de ce genre de défi. Donc on en a plein, bien évidemment, à faire. Mais ça donne des points d'amélioration. Donc c'est plutôt intéressant. Bon. Alors je sais pas si on peut... je crois qu'une fois que c'est fait dans une zone, on n'a plus à revenir. Il faut qu'on aille dans une nouvelle zone, je crois. Alors je vous montre vite fait la carte. Je crois que je l'avais montré, je crois, il me semble. Donc voilà, donc les points Wayne, c'est tout simplement des activités à faire pour obtenir des points supplémentaires. Je crois qu'on est ici, je crois. Donc voilà. Bon, je sais que j'ai pas trop l'air étonné. J'en suis désolé, mais franchement, si j'avais pas eu l'air technique, j'aurais été beaucoup plus jovial. Bon, en tout cas, voilà, c'est très introductif encore pour l'instant, ça reste un énorme prologue. Alors, petit aparté, mais je pense que ça va être la plus longue aventure qu'on va avoir sur Batman Arkham. Parce que je crois qu'il y a 3 ou 4 DLC d'histoire, je crois. Un sur Catwoman, l'autre sur d'autres acolytes de Batman, en tout cas. Je connais pas du tout ces DLC, par contre. Voilà, en tout cas, ça va être, je pense, l'une des plus longues qu'on aura parmi les aventures. Je sais même plus jusqu'où on était allé maximum en termes d'aventure. Je crois que le plus long, c'était City, je crois.
Il me semble que c'était City. Et encore, je ne compte pas le DLC. Ok, alors on va aller sur la carte. Donc on a... alors ça c'est le GCPD. Ça c'est une activité qu'on a faite, ça aussi. Ça aussi. Alors, on peut aller ici, position de la traque. Pompier disparu, ok. Alors, on va placer un marqueur. On va y aller. Allez, c'est parti. Bon. Aïe. Alors, putain, ma conduite. Faut le temps que je m'y fasse. Faut le temps que je m'y fasse. Alors, on va essayer d'accumuler quand même pas mal de boost. Donc, voilà. Alors, j'espère qu'il y aura... Alors, il se peut que dans l'épisode précédent, vous ayez vu une petite coupure. Pendant la cinématique, vous savez, où on raccompagne... où on accompagne Poison Ivy... Hop, 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 je me suis trompé. Où on accompagne Poison Ivy dans sa cellule, au GCPD. Bah, j'ai tout simplement... Alors, la coupure, c'est normal, c'est parce que ça avait frisé. Et donc, voilà. Donc, s'il y a ce genre de petite coupure, c'est parce que, bah, comme je vous dis, il y a des petits bugs. Donc, vous m'en excuserez. Salut, les gars. Donc, bien évidemment, je sais ce qu'il faut faire, hein. Il faut qu'on aille sauver le gars. Hop, hop. Bon, bien sûr, les touches sont les mêmes, hein, avec le batarang et tout ça. Oh, oh. Ah oui, c'était méchant, ça, comme élimination. Je l'avais jamais faite. Ouais, je dégage. Et voilà, putain, c'était méchant, le... Oh, il s'est bouffé le générateur, c'était méchant. Ok. Alors, why not, gars? Ok. Alors... Batman? Oh, vous êtes venu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le camion a été attaqué. Des émeutiers nous ont attrapés un par un. On a été séparés. Et enlevés. Ils vont nous tuer. Je sauverai vos hommes. Attendez là. Un agent du GCPD viendra vous chercher. Localiser et porter secours au 17 pompiers. Ok, un point. Donc ça, je pense que c'est au fur et à mesure que t'avances. Je m'inquiète pour les autres, Batman. Pourvu que vous les trouviez à temps. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur eux, par contre? J'espère que cet agent va pas trop tarder. Je m'inquiète pour les autres, Batman. Ok. Alors, sélection de mission, une extension de mission de track est maintenant disponible. Vous pouvez désormais basculer entre les écrans de mission de track et l'extension des missions. Ok, extension des missions. Alors, c'est quoi? Synopsis de l'affaire. Ah, c'est des conditions à suivre. Ok. D'accord, c'est des missions supplémentaires à compléter. D'accord, ok. Alors, pour les pompiers... Je vais au dépôt ferroviaire. Nigma prépare quelque chose, comme d'habitude. Ah, attends, dépôt ferroviaire, c'est où ça, ma grand? Panessa Studio, dépôt ferroviaire, Chaudron, Chinatown, Pédition Bridge, Penitence Bridge, d'accord. D'accord, Kingston, d'accord. Bon, a priori, ça n'est peut-être pas là, mais... Bon, alors, pour les pompiers, sincèrement, alors, la touche de scan, elle est là. Je sais pas du tout où aller les chercher, les gars. Et ça, je sais pas, par contre... Ah. Putain, j'ai une mauvaise habitude, ça va pas le faire. Parce que la touche pour... l'ancienne touche pour scanner, tout simplement... L'ancienne touche pour scanner, tout simplement, le... Pour scanner les zones, pour scanner le mode scan, bah, c'est la touche pour, tout simplement, se mettre dans la batte. C'est un peu déstabilisant, je vais pas vous mentir. Alors, je sais pas du tout où sont les pompiers à chercher. Si il faut... Parce que c'est pas indiqué. Ok, surveillance locale, donc ça c'est... Alors, je regarde surtout s'il y aurait pas une... Attends, monte. Parce que j'ai pas l'impression que... Il m'indique pas en fait le... Le nombre de personnes à sauver. Hein. Parce que là on a plein de monde certes, mais... Non, putain, ah, ça va pas le faire, ça c'est... C'est les petits soucis de... Ok, donc là on a une petite bande de gars là. Ah, vous savez quoi, on va se les faire.
Voilà. Alors on va se les faire. Ça c'est pour le plaisir du combat ça. Hop, voilà, tu dégages. Hop, hop, hop. Hop, petite parade. Oh, ça fait mal ça dans les couilles. Ah, il l'a pris là où il le fallait pas. Bon, a priori, il n'y a pas de... Allez, on va appeler la batte. Ok. Alors, attendez. Donc, bon, pour les pompiers, je sais pas du tout si c'est au fur et à mesure qu'ils nous indiquent le lieu ou pas. Alors, machine de guerre. Alors, on va aller directement à la mission du meurtre. Hop. Allez, on y parti. Ça fait tellement plaisir de conduire la Batmobile. Mon dieu. Ça change de planer. On pourrait planer, hein, la place, mais bon. Ça va moins vite, hein, on va pas se mentir, et c'est moins kiffant, je trouve. Ils arrivent, surtout, ce que j'adore, c'est qu'ils ont réussi à te faire saliver rien que le fait de te déplacer en Batmobile. Bon, après, c'est la Batmobile, hein, quand même, hein, c'est pas n'importe quel gadget de Batman. Mais c'est marrant la manière dont ils te le font saliver dans le jeu. Ok. Allez, on va scanner le gars. J'ai trouvé le corps mutilé dont parlait Cash. Je vais essayer de déterminer la cause du décès. Les analyses de sang révèlent un arrêt cardiaque provoqué par une overdose d'antidouleur. De plus, les empreintes digitales ont été brûlées à l'acide. Somme toute, une mort peu souhaitable. Ce n'est pas tout. C'est comme si l'ADN du sujet avait subi une sorte d'altération. Je n'ai pas assez de données pour pouvoir effectuer une recherche croisée. Je dois analyser le corps en profondeur pour trouver des caractéristiques plus précises, afin de pouvoir identifier la victime. Exact, monsieur. Bien. Scanner. Scanner hypodermique. Voilà, bon. Alors, le scan, il y a plusieurs niveaux d'analyse. On a la couche supérieure, intermédiaire et inférieure. Alors, mais évidemment, on va scanner tout ça. Donc, on est parti, on voit une petite zone analysée. Ça fait plaisir de retrouver le mode scan enquêteur. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce scan. Vous savez bien. Une anomalie congénitale. Et je trouvais que dans Batman Origins, il l'avait bien exploité, je trouve. Alors, attendez. Alors, attendez que je cherche. Ah ! Une alliance dans le gros intestin. Voilà. Elle porte l'inscription Ophélia. Et ça. La victime a récemment subi une opération de la hanche. Les tissus ne sont pas complètement cicatrisés. Alfred, la victime s'appelait Anthony Lund. Son dossier médical indique qu'il souffrait d'alcoolisme. Certainement suite à l'échec de son mariage. Le nom sur l'alliance, Ophélia, est celui de son ex-femme. Il a été vu pour la dernière fois à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ce qui est étrange, c'est que les victimes n'ont pas disparu à Gotham. On les a amenées ici avant de les tuer. Pourquoi ? Il faut qu'on retrouve celui qui a fait ça. Puis-je vous suggérer de tendre l'oreille et de guetter cette horrible musique d'opéra ? Cela ressemble fort à une carte de visite. Ok. Bon, je pense qu'on aura d'autres victimes à faire. Bon, de toute manière, en termes de l'avancée du let's play, on va faire de toute manière, je vais vous faire un mélange de, c'est-à-dire de l'épisode principal et également de quêtes secondaires en fonction de ce qu'il nous présentera, en fonction du temps qu'on aura, ainsi de suite. Alors, est-ce que ça prend en compte? Donc, bien évidemment, pendant que j'avais fait mon... avant que je remarque mon erreur technique, il y a ce mode de défi, donc c'est ça, je l'avais déjà fait, donc j'avais eu 2 étoiles. Est-ce qu'on le fait maintenant ou pas? Je sais pas. Alors attendez, que j'essaie de découvrir les douches un petit peu. Non. Ok, donc ça c'est les personnages, ça. Ok, c'est les personnages, ça. Écran WineTech. Utilisez l'écran WineTech pour afficher la liste des mouvements ou lorsque vous avez reçu un point d'amélioration WineTech. Faites progresser une mission ou track et remplacez la jauge d'expérience pour améliorer la tenue de Batman ou la Batmobile ou acquérir des compétences avancées. Astuce pour obtenir des améliorations plus rapidement, traquer les super vilains de Gotham. Alors, on en a 5. Ok.
Alors, là c'est quoi coup critique? Portez vos coups au bon moment pour doubler les dégâts de vos attaques. Lancez l'attaque suivante au moment précis au contre. Ok, bon, on va prendre ça. Alors, ça c'est pour assommer. Vol d'armes volume 2, d'accord. On va prendre ça. Pour assommer, c'est pratique. Et alors, pousser vers l'extérieur avec Y et relâcher. Élimination contre l'âme. Ok. Et voilà, comme ça on a l'amélioration pour contrer les lames, parce que comme on est dans la rue quand même, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, on va tenter ça. On va se faire un petit... On va essayer de... Je vais essayer plutôt d'augmenter mon score. Ok, donc là c'est parti, baston. Hop. Oh, oh, oh. Ok, alors attendez, faut que j'arrive à savoir d'où ils viennent. Voilà. Ok. Merde, j'ai appuyé sur la touche de missile sans le vouloir. Hop. Voilà. Voilà. Ouh. Merde. Ok. Voilà. On va y arriver. Allez, ça c'est cadeau. Voilà. Voilà. Ok, il y en a deux là. Ok, ça c'est fait. Voilà. Voilà, deux étoiles. C'est beau ça. Et voilà, trois étoiles en plus, c'est parfait. Et bah ben voilà, en plus j'ai réussi à améliorer mon score et en plus je crois que ça donne des points en plus. Parfait, 15 000, ça va. J'avais galéré, je me souviens. Alors c'est quoi les points rouges par contre? Je sais pas ce que c'est. On va continuer. Je vois pas ce que c'est les points rouges en question. Non, ah non, c'est bon, super. Ouh. Ok, donc on a une immersion complète. À votre demande, j'ai créé une série de simulations de diagnostic pour tester les différentes fonctions de la tenue et de la Batmobile. Il suffit de sélectionner le programme approprié et le Bat-ordinateur fournira un marqueur de navigation. D'accord. Ah, ok. Donc c'est les défis, c'est ça? Point de rivalité, d'accord. Ah, mais attends, mais... D'accord, donc ça c'est... Pour le... D'accord, donc ça c'est quoi? C'est tout ce qui est mission, on va dire... avec Batmobile, c'est ça en gros, si je comprends bien? Ok, donc ça, tout ça, ça va être des missions avec Batmobile. Bon, bah écoutez, j'aurais beaucoup de choses à faire en off. Hein. Ok. D'accord, donc c'est des défis en réalité augmentés, d'accord. Je vais regarder vite fait un peu la... Non, pas ça. Non plus. Attendez, que je me cours pas de touche. Ok, ça c'est pour les défis. Parce qu'ils ont tout modifié, ils ont complètement modifié l'apparence des objets. D'accord, donc j'ai un point. Wouah, putain, mais c'est complet ce qu'il y a. Ah, mais tout ça c'est les classiques ça. Batmobile. D'accord, donc ça c'est des petites améliorations, mais voulues ça je pense. Tenue. Batmobile, est-ce qu'on peut améliorer un peu la Batmobile? Augmente le blindage de la Batmobile de 25%. Allez, ça c'est cadeau. Ok. Bah, il y a des choses à faire. Hein. Alors, attendez, on va regarder la carte. Alors, on a un autre défi, si on le souhaite. Bah, écoutez, on a un peu de temps, je pense qu'on peut se le permettre. Maître du combo. Ne laissez aucun répit à votre adversaire, enchaîner le maximum de combos dévastateurs, plongez depuis un toit en courant. Ok. Allez, on est parti, on va se faire le défi. Ah, je peux regarder en arrière, ok, pas de soucis. Ah, c'est un défi spécial combat. C'est ça en gros? Attends, on va regarder la carte. Alors, on va monter. Alors, faut aller là-haut, je suppose. Maître du combo.
Plonger depuis un toit en courant. D'accord. Aucune donnée. Ah, je peux pas le faire encore. Ah, je peux pas le faire. J'ai l'impression que je peux pas le faire. Ok. Pour déverrouiller ? Non. Attendez, on va réessayer. Ok. Ok, d'accord. Il y avait une condition à suivre, ok. Alors, on va afficher. Ok, d'accord, donc c'était une condition à déverrouiller. Ok, bah, j'espère qu'il n'y en aura pas 36 hein, quand même de ce genre de conditions. Ok. Bien. Alors, atteindre un combo de 50. On va tenter. Je dis bien, on va tenter. Allez, c'est parti. Oh là, ça fait longtemps. Oh, 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 le petit German. Il fait plaisir. Ok, ça c'est fait. Quoi, c'est tout? Ah, attends, il y a un truc... Attendez. On va réessayer. Redémarre s'il te plaît. Ok, attends, il doit y avoir un truc. Ok, lancez le défi. Ok, je pense que pour le combo faut que je fasse la ruée sur lui là à mon avis. Oh là, petit bug. Hop. Quoi? Ouais, ok, j'ai un peu du mal à comprendre, je vais pas vous mentir. Pour moi, c'est le meilleur combo. Attendre un combo de 50. Pour chaque fois 10, d'accord. Bon, au pire, c'est pas grave. Non, merde, j'ai fait réessayer comme un con. Je me suis trompé de touche. Il doit y avoir un truc pour plus tard. Hop, hop, hop. Hop. Ok. Mais j'ai pas compris en fait le défi. Ok, bon, j'ai 2 étoiles certes, mais... Et encore. J'ai qu'une seule étoile finalement. D'accord. J'ai un peu du mal à suivre, hein, je peux vous mentir. Attendez, on va relancer. Juste voir les conditions. Ne laissez aucun répit à vos adversaires. Enchaîner un maximum de coups dévastateurs sans interruption. Ah, sans interruption, ça veut dire en gros, faut pas que je pars. Alors, on va relancer. D'accord, faut pas que je pars, c'est ça que je comprends. Ok. Merde, je crois que j'ai fait une parade. Merde. Bon, j'ai fait 24. Waouh, attendez, c'est chaud. Pour moi, il faut pas que je pars. Moi, je le comprends. Bah, j'ai fait une parade par réflexe tout à l'heure. Oh, putain. Ok, excusez-moi pour le son. Ah putain, excusez-moi pour le petit bug de son, alors ça peut arriver, hein, comme je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Attendez, il y a moyen qu'on réussisse. Faut le temps que je comprenne surtout. Hop, 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 hop. D'accord, il faut vraiment pas que je m'arrête en fait. Mais quand il dit s'arrêter, c'est vraiment pas avoir une micro-pause en fait. Faut enchaîner, enchaîner, enchaîner en fait. Faut pas réfléchir. Bon, on va tenter. On va tenter. Hop.
Hop. Hop, hop. Hop, hop. Ok. Merde. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, si on réussit pas, c'est pas grave. Mais ça m'a l'air assez chaud. Bon, de toute manière, tout ce qui est défi de ce genre, je le ferai en off quand j'en aurai... En cas de besoin. Alors, attendez, la Batmobile, elle est où? Bon, vous savez quoi, on va se laisser là. Attendez, je vais regarder la carte. Ok, faut qu'on aille là de toute manière. Bien. Bon. Attendez, on va se mettre en hauteur, tranquillement. Voilà. Bon. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode 2, fort un peu redécouverte, on va dire, de l'atmosphère, des quêtes et tout ça. Prochain épisode, ça va être un peu plus intéressant, ça je vous le dis direct. Mais à partir du prochain épisode, quand on l'aura fini à peu près là où je vais m'arrêter, ça sera totalement découverte. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode 2 et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.